Nowadays, pink rice is exported on the level of international markets with a label called organic. This kind of rice comes from Madagascar, precisely from Alaotamanguru region. This IRI forms the first rice granary of Madagascar. A farmer whose full name is Jean-Baptiste Rekutumandimbi, better known as Dista, has discovered some grains of pink rice in an import rice bag at Amparafaravula. It's a small territory division of the region under consideration. C'est un paysan du coin qui a, paraît-il, il a enlevé des graines sur des sacs venant de l'extérieur. Autrefois, l'importation de riz, là, il a multiplié ce qu'il a, les quelques paddies qu'il a trouvés. Et puis maintenant, c'est plein dans tout le. Dans tout la lot, on trouve du riz d'Ist. Presently, 38 farmers have founded a cooperative called Kuluwaren. During the 2007 and 2008 campaign, pink rice productivity of these peasants reached 26 tons. Then, they've got in touch with Lotus Food in the United States in order to export this rice. Lotus Food has required that the pink rice should be internationally certified as an organic product. D'une façon générale, l'agriculture biologique, c'est un type de production, système de production, exempt de tout qui sont utilisation des tout ce qui est produits chimiques de synthèse. C'est-à-dire qu'ils doivent produire le riz en se référant sur ce qui sont règlements de culture agriculture biologique selon les règlements européens et américains. Dans tous ces règlements, donc, il doit respecter tout au long des procédures et tous les systèmes de production en partant de la production de riz jusqu'à la commercialisation. Et, y compris donc d'abord le lieu de production, c'est-à-dire que le lieu de production en partant des parcelles, le magasin de stockage, le stockage de riz, stockage de produits, stockage des intrants, le magasin de stockage de riz et jusqu'à l'emballage, il doit se référer à ces règlements. Pink rice is a long cycle photoperiodic plant between 6 to 7 months. This variety must be irrigated and produce 6 to 7 tons by having recourse to the system of rice intensification, abbreviated into SRI. Ni tombotsoa hoanay mpamboly zany no ary hoan'ny sehatrin'ny SRI. Dia voalohany aloha hoe raha ny resaka arabola dia misy fihenana be dia be izy. Dia eo amin'ny resaka tonnage ndray zany zao ny tonnage-na vary. Raha taloha zay nahita eo aminy hoe 3 tonnes 5 4 tonnes ankehitriny zay samy teny fa mety mahita eo amin'ny 6 tonnes 5 7 tonnes mihitsy ary. Arakaraky ny traitement sy ny toetr'andro any ny atongavana amin'izay aloha. Kuluwaren Cooperative takes care of the pink rice productivity on a big scale. The 38 peasants have already planted this variety on 33 hectares, spread in the 18 surrounding villages. All of these peasants have been trained and supervised by agronome et vétérinaire sans frontières. This supervision is not only meant for obtaining maximum efficiency, but also for gaining the organic certificate. Nous, agronomes vétérinaires sans frontières, nous s'occupons seulement que du suivi et des contrôles internes. Mais nous, on dispense aussi des formations à ces paysans vis-à-vis de toutes ces lacunes ou des manques en formation vis-à-vis des règlements, l'application de l'agriculture biologique que nous constatons, que nous dispensons des formations à ces paysans-là, afin qu'ils arrivent vraiment à gérer, à respecter la production suivant l'agriculture biologique. In order to get the organic certification, a rather complex specification has been enforced on peasants. Instructions and phases related to productivity should be followed as it is mentioned. SRI can be implemented only on the rice fields that we can have master over water level. Indeed, rice fields should be partially drained during growth cycle. Furthermore, neither artificial fertilizers nor pesticides can be used.
they are forbidden. This is the core of organic culture. Tsy dia manahirana le fepetra le condition takin'ny ny lotus food satria ohatrany hoe zao le purité an'le variété zao anankiray a satria raha ohatra zany ianao hoe tsy mampiasa produit chimique a mbola miala vola be mihitsy ny ohatra hoe mividy des hormones ohatra le famonoana hatra zany dia tsy miala vola tsony ianao fa zavatra avatanana fotsiny dia SRI has several and very simple culture principles. Planting of very young leaves often when they are two. Planting on a square line with a minimal distance of 25 cm. Partial draining of rice fields and a frequent weeding of them in order to pull out the weeds. Le SRI, c'est une. On repique le riz. Quand le plant est encore très très jeune, 8 jours, et il faut le faire en culture en ligne. C'est facile à entretenir. Et puis ça tale bien quand la rizière est sarclée mécaniquement et manuellement aussi. Et ça augmente la production. Et puis quand on sarcle mécaniquement et manuellement, on n'utilise plus les produits chimiques et on n'utilise plus aussi les engrais chimiques. On utilise le compost avec tout ce qui pousse dans notre coin là. On a tout pour faire. The use of artificial input is very frequent in Mbatondrazac, which is the biggest rice area of Madagascar, especially on large irrigated perimeters. In order to avoid chemical product contamination from surrounding plots, a buffer area of 5 meters wide is preserved. The rice cultivated in this area is looked upon as organic. Na tonga izy io lasa nisy natao tota anankiroa zany a. Le mela na le be de mela kely. Le ngeza zany a, le anatin' le condition le takin'ny ecoserta de esorina ny 5 mètres, hoana moa zany. 5 mètres en mantour, zany misy ceinture zany le natao bio. De le ça fait zany le 5 mètres iny a mety mbola voan'le amin'le voisinage de mety mampiasa produit chimique le olona. De mety tratrany iny zany de iny na tonga anazy hoe atokana io. Et il y a aussi les traçabilités des produits. Les traçabilités des produits, c'est très, très exigé afin de connaître l'origine des produits et aussi tous les processus de production jusqu'à destination des consommateurs. Que les emballages doivent être faits avec des matériels vraiment appropriés et bien propres et exemples de toute utilisation de produits chimiques aussi. Et après les emballages, les emmagasinages, au niveau desquels ils doivent avoir vraiment des étiquettes et avec des lots bien définis de ceux qui sont origine biologique et de ceux qui sont conventionnels. L'objectif, c'est pour garantir aux consommateurs que les produits sont vraiment des produits biologiques différents de tous ceux qui sont conventionnels. Il y a un autre point important, c'est l'hydrométrie des riz. Au cours de toute activité post-récolte, nous avons fait 3 prélèvements d'humidité. Le premier prélèvement au moment de mise en meule, sur 3 points différents du meule, et après au moment de mise en magasin de riz, et après au moment de la sortie. Car le taux d'humidité de riz doit rester tout autour de 14% à l'exportation. With a view to ensuring organic quality on international level, biological certification control organizations have been created, and Ecocert is one of them. Ecocert works in more than 80 countries all over the world, including Madagascar. Nous faisons la certification et l'inspection avec indépendance et impartialité pour garantir justement aux consommateurs la conformité des produits par rapport au cahier des charges et aussi pour donner un accès aux producteurs, un accès au niveau du marché. Ahoana nataonao ohatra amin'ny hoe ady amin'ny bibikely, ady amin'ny fanalana ny ahatra, nandritra izay fotoana izay.
Il y a un savatra naturel, il y a un savatra savamaniri. Il y a un savatra naturel. Pour le contrôle de la certification biologique, nous vérifions toute la filière, depuis la semence jusqu'à l'exportation du produit. Donc en passant par les parcelles, le magasin de stockage, l'usinage, tous ces aspects-là seront vérifiés. Toujours par rapport à la réglementation, l'inspecteur, pendant la visite, est également censé à vérifier le risque de mélange de produits bio et non bio. L'inspection aussi concerne le système de documentation du projet pour assurer la traçabilité des produits. Donc tout ce qui est produit certifié bio et exporté doivent pouvoir être retracés depuis l'origine jusqu'à aux clients. Donc là actuellement, je vérifie la quantité de l'eau qui peut être certifiée bio. Donc je comptabilise physiquement ce qui a été usiné. Et tout à l'heure, je vais regarder le local, tous les locaux de stockage et l'usine pour voir s'il y a un risque de contamination ou pour voir aussi s'il y a séparation des lots bio et conventionnels. Après, ils vont transporter les produits pour l'exportation. Donc là aussi, il y a un côté à voir s'il n'y a pas pendant le trajet ou pendant le transport, il y a un autre risque à voir. Donc déjà, je vais vérifier sur toutes les mesures qui seront prises à ce moment-là. Apart from organic certification, these organizations must ensure that the industry is on view on equitable trade and on food sanitation. As a matter of fact, they have to check if the organic purchase price covers well the entire productivity cost. They must also ensure the profitability of the industry. After ECOSET representatives visit on site, a committee of certification is going to issue organic certificate per batch. Each bag is going to be labeled Certified Organic Agriculture by ECOSET. This certificate will guarantee that the product is standardized and certified. The objective of this industry is twofold. First, it enables farmers to live better by producing more and selling their rice with higher price. Second, the consumer eats an organic product while participating in equitable trade.